Coucou. Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle au grand Dimash comme guest Mamamounette. Et nous allons réagir sur une de ses performances au Basto de 2017 et sa chanson Daybreak. Est-ce que tu connais Daybreak? Moi, avec mon anglais de merde. Ça ne me dit rien, mais voilà quoi. Mais va pas de la neige, elle va pas te fondre. Et c'est parti, nous allons donc. Et c'est parti, nous allons découvrir. Maintenant, c'est ta faute ça. Bah oui, c'est toujours la faute de la mère de toute façon. La mère la monde. Oh boudiou 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 boudiou. Attends, c'est quoi le style qu'il y a? Oh oui, celle-là je connais. Franchement, s'il viendrait en concert en France ou en Belgique, tu y vas. Hein. Même si t'as pas allé en concert, tu viens. Hein. On va ensemble. Hein. Capitoche. Ya. J'aime beaucoup sa chemise avec ses gros yeux. Hein. Tu vois là, ça ressemble plus le style épuré derrière. Oh, j'adore, c'est vrai, c'est magnifique ce que mais il a de chouettes tenues de scène, ouais. Moi je trouve. Il peut être très simple mais très classe à la fois. Tout à fait. Et cette touche de cheveux. Et tous ces violonistes magnifiques. Et c'est ça qui est bien, c'est que lui il ne fait jamais de plus belle quoi. Oui, en fait t'as même l'impression que quand il chante, c'est limite, il vient de sortir du studio en fait. Voilà, c'est ça. Je le dis souvent. D'autres chanteurs, la plupart du temps, je vais pas dire pendant leur concert, parce que ce serait quand même malheureux qu'ils fassent du playback pendant un concert. Ça arrive, hein. Mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et c'est pas la chanson pour son grand-père, ça? Non. Je sais pas. Si. Non. Ah, si. J'en sais rien. C'est dommage qu'il y ait pas ça avec les jets d'eau, c'est magnifique. Et toutes ces lumières rouges qui donnent encore ce côté chaleureux, en fait. Je suis sûre que c'était la chanson de son grand-père qui est décédé. Je sais même pas si son grand-père a décédé, mais la chanson dont j'ai réagi, tu vois, il y a un vieux monsieur derrière. En fait, c'était un de ses professeurs de chant qui est décédé du Covid. Ah, alors c'est lui alors. Non, ça c'est une prestation. C'est une autre chanson. C'est une prestation de 2017, maman. Ça ressemble à l'autre, en fait. Mais en fait, toi, t'as tellement vu de trucs que tu sais plus que tu perds. Bon, lui, père, voilà. Voilà. Bah, c'est trop beau avec les jets d'eau. Et c'est du guitare électrique qui donne ce fesse en plus. Non mais les jets d'eau en vrai que... Ça c'est tout à fait ça, le genre que j'aime bien quoi. T'as vu cette transition dans sa voix, c'est incroyable ce... Je te dis, c'est un alien en fait ce chanteur. Sans prendre de respiration. Et moi qui te disais oui maman, oui, oui, ton artiste, blablabla. Mais en fait, je suis trop contente de t'avoir écouté en fait. Faut toujours écouter sa mère. Écoutez-moi bien. Faut toujours écouter sa maman. Il est tellement à l'aise sur scène comme s'il était chez lui, tu vois. Ouais. Et il vit encore, toujours sa chanson. Ouais, c'est ça qui est beau avec cet artiste. Oh, je sais, j'ai mes frissons qui sont là de nouveau. Oh, purée de mer. Sans mots. C'est magnifique. Sans mots. Bouche bée.
Ouais. Ah ouais. C'est ça, une de mes prestations préférées, moi. Et j'aime beaucoup cette chanson. Et comme tu dis, il s'immerge tellement dans son art. Voilà, tu es avec lui. Tu rentres avec lui dans son art. Tu es happé en fait, comme si tu t'aspirais dans l'écran et tu es là et tu sais plus où tu es. C'est comme si tu étais à sa place en fait. Ouais, enfin, et tu fermes tes yeux, tu es complètement dans un autre monde en fait. Totalement. Ouais, moi franchement. Totalement. Je suis chaque fois impressionnée. Pourtant, ce qui est bien avec aussi Dimash, c'est qu'il a beau interpréter tout le temps ses chansons dans ses concerts, mais à chaque concert, ce sera jamais la même chose. Non. Il va chaque fois l'interpréter d'une autre manière. Il vit totalement sa chanson. Mais même que tu redécouvres à chaque fois la chanson autrement. Et c'est ça que j'aime bien chez un artiste, parce qu'il est vraiment complet quand tu es immergé dans son art comme lui, mais en même temps que tu découvres cette chanson, mais dans plein de panoplies différentes. C'est ça. Parce que chaque fois, il va l'interpréter d'une autre manière. Et mais c'est pour ça que je l'aime, ma chérie. Oui, ça va. En fait, parce que justement, des chanteurs comme ça, c'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Et c'est dommage qu'il n'ait pas connu, parce que tu l'entends pas vraiment parler en Belgique ou en France. En Belgique, ça commence doucement. Ça commence doucement, mais tu l'entends pas autant. Tu as même mes abonnés qui disent, ça fait du bien de voir quelqu'un qui réagit en français. Mm-hmm. Bon, je suis pas français, je suis belge. Belge, on est belge. Hein, on peut comprendre que... C'est 100% pur. Hein. On peut comprendre que ça peut parfois prêter à confusion parce que je parle français, mais en Belgique, on parle plusieurs langues, dont le français. Le français. Enfin, nous c'est plus notre patois, c'est le wallon. C'est le wallon, un fort accent. Après, ma mère, elle est namuroise, c'est pas. Ouais, d'ailleurs, si vous avez sûrement déjà un petit peu entendu. On change de sujet là. Oui, en fait, t'as adoré la prestation. J'adore. Moi aussi. Et voilà, c'est tout. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié notre réaction et également sa prestation. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Yudra. 这么作业有时候替这陌生的人决定一万伟大制造一个美丽的火